Et bonjour à toutes et tous, nous voilà de retour dans Untrouded pour une toute petite vidéo parce qu'aujourd'hui je n'ai pas beaucoup joué puisque j'ai pas le temps, j'ai pas trop le temps, j'ai des choses à faire, faut que j'aille chercher des ventilos pour ma nouvelle config et on va faire un petit tour du truc. Donc bon, là ça on avait déjà vu, j'avais mis des bacs avec des fleurs, j'ai mis des petits lampadaires pour éclairer la nuit. Hein, là c'est très 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 joli, hein. On va l'améliorer de plus en plus, cette arène, cette belle arène. Donc là les petites paternes qu'il y a de ouais, y en a une, elle est peut-être pas tout à fait à la bonne hauteur. Donc là des lumières là un petit peu partout, voilà, ici aussi. J'ai refait, vous voyez, toutes les corniches là qui sont en haut là, qui dépassent. J'ai tout refait parce qu'il y en avait, il y avait des murs qui étaient droits, donc j'ai refait tous les espèces de caissons pour que ça soit tout pareil. J'ai tout refait. Voilà, les caissons comme il faut. Voilà. Jusqu'ici, voilà. Là, je ne l'ai pas fermé. Est-ce que c'est fermé de l'autre côté? Non, pas proportionnellement. J'ai fait une arche. J'ai fait une petite arche ici. Qui fait penser un petit peu à un arc de triomphe. Que j'en ai bien chié pour faire la forme que je voulais là. Arriver à obtenir ça. Ça me permet de voir aussi si j'ai des défauts. Parce que des fois, j'ai des défauts. Je ne les vois pas forcément tout de suite. Mais en faisant le petit show Evo, je peux le voir. J'ai fait aussi, voilà, une petite arche ici aussi. C'est pareil. Pour y aligner, ça a été assez comique. Donc voilà, donc là j'ai mis des petits piliers, c'est sympa. Voilà. En haut, et ben en haut, j'ai mis deux espèces de grosses. Des gros bras zéro à côté, donc là c'est nickel quand on est de loin. Ça, ouais, ça donne quand on est de loin, franchement, ça donne pas mal. Ici, j'ai modifié, j'ai mis vers le lit, j'ai mis, il n'y avait pas de lumière avant, que j'ai mis une petite cheminée histoire de pas se cailler la nuit quand on dort. J'ai mis aussi dans une pièce à côté un lit là et un petit lit que j'ai rapatrié d'une maison, donc j'ai mis un petit lit, ça fait une petite chambre d'invité quand il y aura des animations dans mon arène, mais il n'y aura pas d'animation, je plaisante quand je dis ça. J'ai élargi là, ouais, j'ai fait un rebord où on peut passer le long, j'ai tout fait comme il faut dans les règles de l'art, j'ai mis deux épaisseurs de manière que j'ai distinctement la pierre et le carrelage de luxe. Voilà, que ça soit bien bien délimité, hein. Là c'est pareil, on peut marcher sur les côtés. Là, voilà. Donc j'ai bien travaillé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh ben, j'ai pas fait grand chose de plus, mais bon, déjà ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris beaucoup de temps pour tout y caler, l'arche que j'ai fait hier. En bas, comme vous aurez pu remarquer, j'ai mis du bronze. J'ai mis du bronze là au plafond pour que ça brille. Voilà. Et là, donc ça c'est une arrivée. Ça fait, ouais, c'est 6. C'est très spécial, faudra que je mette un petit peu de lumière là et ici, mais bon c'est pareil, faudra que, ben là il faudra que je refasse un autre coffret qui dépasse ici, de l'autre côté aussi. Ouais, faudra que je fasse les coffrets. Vous voyez là ça déborde légèrement, et si je veux rester dans les règles de l'art, mais après le fer,
j'ai juste. On va le faire tout de suite. En théorie, j'ai juste à utiliser ce truc. Il faut juste que je creuse au bon endroit. Voyez, quand ça se passe bien, voilà. Donc voilà, on est sur quelque chose d'équilibré. Voilà. C'est pareil qui est de l'autre côté. Et là, que je regarde, il y a deux à peu près. Il faut que je fasse pareil de ce côté. Comme ça, ok, c'est bon là. Merde. Des fois, je me mets loin parce que c'est mieux, c'est préférable. Voilà, une petite modification en direct. On peut faire ce qu'on veut. On peut sculpter ce qu'on veut. Le seul regret que j'ai, c'est qu'il n'y ait pas des formes rondes. Et voilà. Et là, on a un truc relativement équilibré. Voilà. De l'autre côté, c'est fait différemment. Voilà. Là, c'est là. Là, c'est là. Voilà. C'est nickel. Ah oui, j'ai refait les bordures aussi. Le long. Ouais, j'ai pas fini. Voyez, là, il y a une bordure en haut. Il faut que je la refasse. Là, j'ai refait l'angle. Et là, il faut que je fasse la même chose. Elle y est d'un côté, mais elle n'y est pas de l'autre. Et pour ça, il me faut ça, normalement. En théorie. En théorie. Ouh, ça va me gaver. Ça a l'air d'être bon. Voilà. C'est bizarre ça. Ça fait pas comme il faut. Ça fait un truc. Ah oui, mais parce qu'il y a. Ça y est, j'ai compris. Parce qu'il y a ça. Il y a un truc comme ça là, ici. Là, il est dans l'angle. Ah oui, mais merde, j'ai l'accrochage. Je me disais, ça va pas. J'ai l'accrochage. Là, c'est n'importe quoi. À moins que là je tombe à côté encore. Je tombe à côté. Là c'est bon. Là c'est bon. Juste en là où il me manque le truc. Est-ce que je peux le rattraper avec une plaque? Peut-être. Non. Je peux pas le rattraper avec une plaque, bordel de merde. Excusez-moi les gros mots. Je vois pas comment je peux le rattraper à ce truc-là. Il n'y a pas d'angle. Il n'y a pas d'angle. À moins que j'arrive à le baisser ici.
Ouais, ça pourrait faire une forme spéciale si je fais pareil des deux côtés. Hey. Il va pas me le mettre. Il va pas me le mettre en bleu. Je chercherai. En tout cas, voilà. L'évolution de la reine se fait petit à petit. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et je suis bien content quand même des changements que j'aurais apportés à cette arène. Hein, quand je vois comment c'était fait et pourri au départ, voilà. Là, c'est pas mal. J'aime beaucoup là, avec cette histoire de deux piliers. Quand on arrive ici, il y a les effets de lumière qui se font dans les escaliers avec les torches. Ça fait comme une petite pyramide avec les ombres. C'est joli. Moi, je trouve ça relativement sympathique. Voilà, donc eh ben, je vais continuer à peaufiner. Et ouah, purée, là de ce côté, il y a un truc qui dépasse. Il va falloir que j'y tombe. Il va falloir que j'y tombe. Et là, je suis pas. Quand ça veut pas se positionner, ça veut pas. C'était bon. Qu'est-ce qu'il y a, mon glissement? Qu'est-ce qu'il y a, mon minou? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit loulou? Voilà. Ouais, il faut que j'essaye de que ce soit pareil. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud pour y rattraper cette histoire. Ça va être chaud pour y rattraper cette histoire, chaud patate. Oui, parce que le pilier il est pas au même endroit. Le pilier il est pas au même endroit. Et quand ça veut pas se positionner, des fois c'est des minutes de galère. Juste pour positionner un truc. Non, j'étais pas au bon endroit. Là, par contre, il me semble que je suis au bon endroit pour. Voilà. Là, par contre, il faut que j'arrive. Faut que j'arrive à choper. Est-ce que. Oui. Là, ça me semble presque pareil. Je pourrais pas mieux. Voilà. Donc, comme vous avez pu voir. Au fur et à mesure, on corrige les petites imperfections qu'il y a d'équilibre entre les côtés droite, gauche. Là, voilà. On a fait une légère modification. Voilà. Bon, et ben, on va s'en arrêter ici, hein, ma foi, pour ce qui est du chaud et beau de la journée. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye.